Bonjour, aujourd'hui on va essayer de développer un sujet intéressant qui a été relevé dans le Kesef Mishneh, à savoir quelqu'un qui fait la Tevila dans un mikvé, se trempe dans un mikvé, c'est quand qu'il devient Tahor? Est-ce qu'il est Tahor déjà quand il se trouve sous l'eau, dans l'eau, à l'intérieur, avant d'être sorti, ou bien non? La Tahara, elle arrive qu'après qu'il soit sorti de l'eau, et c'est qu'à ce moment-là que cette personne devient Tahor. Quand il est encore dans l'eau, il n'est pas encore sorti la tête, dans ce cas-là, il est encore à ce moment-là, il est encore tamé. On voit des nafkaminot là-dessus, un sujet intéressant. Bien sûr, ça concerne notre Gemara. Et la Gemara, elle va déjà faire ce rapport entre Nedarim et Mikvaot, qui, on dirait que ça n'a strictement aucun rapport. La Mishnah, on a vu dans la Mishnah, une marquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'on peut faire des Nedarim sur le futur? Un homme, il arrive, il dit à sa femme, tous les Nedarim que tu vas faire dans la semaine qui arrive, tout sera Moufa, donc tous les Nedarim vont être annulés. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Chachamim dit que ça peut pas marcher. Et Rabbi Eliezer, il dit que ça marche. Rabbi Eliezer, il vient avec un kalvachomer. Si déjà, un Neder qui existe déjà, il est déjà existant, il est déjà là, le mari, il a la force de pouvoir l'annuler. Kalvachomer, qu'un Neder qui n'existe pas, que le mari a la force de causer que ce Neder ne commence pas, n'existe pas depuis le début. Comme on connaît tous, par exemple, c'est beaucoup plus facile de faire en sorte que quelqu'un ne tombe pas malade plutôt que de le guérir quand il est déjà malade. Quand le problème il est déjà là, en général, c'est beaucoup plus dur à le résoudre et c'est plus facile à ne pas rentrer dans le problème. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça et les Chachamim, ils vont lui faire un kalvachomer contre. Ils vont dire, si tu rentres maintenant dans ces kalvachomer, alors regarde ce que je vais te faire, et ils font une démonstration comment on ne peut pas dire ça dans tous les cas, il y a des cas aussi ridicules. Et les Chachamim vont donner ce cas de Mikvaot. Ils vont dire, si c'est comme ça, on n'a qu'à prouver du Mikvé le contraire. Si déjà le Mikvé, après que la personne, il est déjà tamé, il rentre, il se trempe dans le Mikvé, et le Mikvé, il a la force de le rendre Tahor. Alors, Kalvachomer, que quelqu'un, il peut rentrer dans le Mikvé avant qu'il soit tamé, et puis après, il va toucher une Touma, et maintenant, il a un Joker, il a déjà fait le Mikvé, c'est bon, il n'est pas tamé, il ne se rend pas tamé à cause du fait que le Mikvé, il l'a aidé parce que c'est plus facile de causer que quelqu'un ne rentre pas dans la Touma plutôt que de le sortir de la Touma qui est déjà existante. Comme ça, Chachamim nous dit. La Gemara, elle a envie de prouver ici la preuve à propos de la question que la Gemara relève. Est-ce que d'après Rabbi Eliezer, le Neder, quand le lendemain, la femme, elle va faire un Neder, et est-ce que ce Neder, il va exister une seconde, il va s'annuler tout de suite, ou bien il n'arrive même pas à exister? C'est la question de la Gemara. La Gemara va prouver de cette braïta. On ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, en revenant à propos du mikvé, on voit ici un kalvachomer intéressant. Il y aura là-dessus plusieurs explications. Et on peut voir déjà sur la Gemara, il y a plusieurs mefarshim, il y a le Ran, le Roche et tout ce qu'il faut. Il y aura ceux qui vont expliquer à propos de cette démonstration que les Chachamim ont fait envers Rabbi Eliezer. Certains vont dire que, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il y a une avamina dans la Gemara. Même en tant qu'Avamina, on ne peut pas dire qu'il est possible que quelqu'un rentre dans un mikvé. Il rentre maintenant, il peut faire 50 fois le mikvé. Maintenant, il a 50 jokers, il peut se rendre tamé, toucher des shratim et ne pas se rendre tamé parce qu'il s'est trempé dans le mikvé. Bien sûr, on ne parle pas d'une chose comme ça. Les Chachamim, il y a quand même une certaine logique dans ce qu'ils disent. Et en fait, l'explication de la Gemara, c'est on parle de quelqu'un qui rentre dans le mikvé. Et quand il est sous l'eau, il va toucher un insecte. Et c'est de ça qu'on parle. Donc, d'une main, il touche l'insecte. Et de l'autre main, il touche un ustensile qui se trouve à moitié dans l'eau et à moitié à l'extérieur de l'eau. Parce que s'il se trouve complètement dans l'eau, alors l'ustensile, en sortant de l'eau, il va être tahor tout de suite. Donc, cet ustensile ne peut pas se rendre tahor à cause du mikvé. Cette personne, il est 8 tahor parce qu'il est dans l'eau. Et il touche d'une main un insecte. Donc, et là, la question se pose, est-ce qu'il est tahor ou il n'est pas tahor? On a ici deux choses contradictoires. D'un côté, il se trouve dans un mikvé, donc il est tahor. D'un autre côté, il touche ici un insecte, donc il est tamé. Et là, il y aura une dracha spéciale qui a été faite dans Torah Kohanim. Torah Kohanim, c'est comme une braïta qui a été faite du temps des Tanaïm. Toutes sortes de drachot qui ont été faites sur le Sefer Vaikra. Donc, en tout cas, dans le Torah Kohanim, la Gemara, souvent, elle ramène des braïtot qui se trouve dans Torah Kohanim. Et dans Torah Kohanim, il y aura un limoud spécial d'un pasuk qui dira
que quelqu'un qui se trouve sous l'eau et qu'il touche un insecte, alors quand même, il va devenir tamé malgré qu'il se trouve sous l'eau. Et là, la question se pose. Donc, en fait, ça, c'est l'explication qu'on a dans la démonstration des Chachamim contre Rabbi Eliezer. Et là, la question qui se pose, on se posait la question au début, on a ramené la question de base. Est-ce que quelqu'un qui se trompe dans le mikvé, est-ce qu'il est tahor tout de suite, à la seconde où il a rentré tout son corps dans le mikvé, ou bien non, c'est qu'en sortant du mikvé, en sortant la tête, qu'il va devenir tahor. Dans le Kesef Mishneh, il chot avot atuma sur le Rambam, perek vav alachat et zain, un Kesef Mishneh très court. Il va prouver du Rambam, il va dire que quelqu'un ne se rend tahor qu'en sortant du mikvé, pas quand il se trouve dans l'eau. Quand il se trouve dans l'eau, il est encore tamé. Et là, la question se pose. Le Abdenezer va relever cette question, qu'on dirait que dans notre Gemara, on voit le contraire. Parce que dans notre Gemara, la Gemara, elle va ramener cette halakha, que quelqu'un qui se trouve sous l'eau, il est censé être tahor, il touche un insecte, et là, on a un pasuk spécial qui dira qu'il est quand même tamé. Et on ne fait pas, en fait, on ne dit pas que c'est plus facile pour lui de, si le mikvé, il arrive à enlever la touma de quelqu'un, qu'elle va chomer, qu'il arrivera à causer qu'il ne soit pas tamé dans le mikvé. Et quand même, on ne dit pas cette chose-là. Donc ça, c'est au fait ce que Chachamim en dit sur Rabbi Eliezer. Mais en tout cas, on voit clairement que quelqu'un qui se trouve dans le mikvé, on a besoin d'un pasouk spécial, et le pasouk, il va nous dire qu'il n'est pas, il se rend tamé. Et donc, la question qui se pose pour le Kesef Mishneh, c'est comment est-ce possible qu'on ait besoin d'un pasouk spécial qu'il se rend tamé malgré qu'il se trouve dans le mikvé, alors que le mikvé n'a jamais réussi à rendre tahor quelqu'un quand la personne se trouve à l'intérieur. C'est comme si qu'il avait mis que les pieds dans le mikvé. Donc, on sait tous que c'est rien du tout. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir un pasouk qui nous dit que s'il va toucher maintenant un insecte, il va devenir tamé. Le mikvé n'a jamais rendu tahor quelqu'un qui n'a pas encore sorti sa tête du mikvé. Et ça, c'est la question que pose l'Avnénézer sur le Kesef Mishneh. Donc, on dirait de ce Torah de Kohanim, que la Gemara fait référence à ce Torah de Kohanim, on dirait clairement que c'est pas vrai ce qu'il dit le Kesef Mishneh. Quelqu'un, il est tamé déjà quand il a rentré la tête dans l'eau, et quand même, pardon, il est tahor déjà à partir de cette seconde, et quand même, le Pasuk va nous donner un chidouche spécial, que s'il va toucher un insecte à ce moment-là, il n'arrivera pas à être sa tahara se retire et deviendra tamé. C'est une question profonde, c'est une question de Youn. J'ai pas ouvert l'avenir des airs à l'intérieur, mais quand même, tel que j'ai vu dans le Kesef Mishneh, j'ai pas bien compris. Il faut essayer de comprendre cette question. Moi, personnellement, je l'ai pas bien compris, parce que dans le Kesef Mishneh, au contraire, il ramène ce Torah de Kohanim, cette halakha même, c'est ça la référence du Kesef Mishneh, qui nous dira que quelqu'un il n'est pas tamé à l'intérieur de l'eau. Donc, au contraire, c'est à cause du fait qu'il y a ici un pasouk qui nous dit que quand il va toucher un insecte dans l'eau, il va être tamé, que là, le Kesef Mishneh va apprendre de cette chose-là, qu'on voit clairement dans la Torah, qu'il est encore tamé quand il se trouve dans l'eau. Donc, il faut essayer de comprendre. En tout cas, on va essayer de donner aujourd'hui deux nafkaminot à ce propos-là, à savoir, est-ce que quelqu'un, il est tahor depuis le moment où sa tête est encore dans l'eau, ou bien il sera tahor qu'à partir du moment où il a sorti la tête de l'eau. Une première nafkamina, une très belle nafkamina qui a été relevée dans les potkim. On sait qu'il y a certains tmeim qui ont besoin de ce qu'on appelle erev shemesh. Ils doivent faire le mikvé avant la shkia, avant la nuit. Et c'est après qu'ils sont sortis du mikvé, ils n'ont pas fini complètement le processus de leur tahara. Ils doivent attendre que la nuit tombe pour qu'on puisse les considérer complètement comme des gens théorimes. Et la question qui se pose, quelle est le din dans une personne qui a rentré sa tête sous l'eau avant que la nuit tombe, et quand il a sorti la tête de l'eau, la nuit était déjà tombée. Alors, s'il est déjà tahor depuis la seconde où tout son corps était dans l'eau, alors il n'y a aucun problème avec ça, il est tahor avant que la nuit tombe, et quand la nuit est tombée, il est devenu tahor complètement, il a fini tout le processus. Par contre, si il était encore tamé quand il avait la tête dans l'eau, et c'est qu'en sortant la tête de l'eau qu'il est devenu tahor, alors dans ce cas-là, il devra attendre jusqu'au lendemain à la shkia pour qu'on puisse le considérer comme quelqu'un qui est tahor complètement, parce que c'est qu'en sortant la tête de l'eau qu'il est devenu tahor. À ce moment-là, la nuit était déjà tombée, et donc il a besoin d'attendre encore un RF Shemesh
pour qu'on puisse le considérer comme quelqu'un de Tao. Une autre nafremina, c'est une question sympathique que j'ai entendue il y a longtemps, à propos d'un guer. On sait que le guer, pour qu'il fasse sa guéroute, il a besoin de faire la brit mila et le mikvé. Et il y aura une halakha qui dira qu'on n'en fait pas de guéroute pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme metaken gavra. C'est comme si on fait une réparation. C'est une autre personne, on est en train de le changer, il était goy, il devient juif. C'est considéré comme une réparation. Mais des rabbanan, bien sûr. Et là, la question qui se posait, c'est que si on dit comme le Kesef Mishneh, c'est un peu difficile. Parce que quand, avant qu'il rentre dans le mikvé, il est goy. Donc on peut rien lui reprocher. Il n'y a pas de, on ne peut pas lui dire maintenant qu'il doit faire Shabbat. Au contraire, un goy ne peut pas faire Shabbat. Donc, il peut rentrer la tête, il peut rentrer son corps dans l'eau. Et donc, si on disait pas comme le Kesef Mishneh, alors on peut lui dire, tu peux pas te tremper, parce que en te trempant, tu deviens juif, et tu es en train, automatiquement tu deviens juif, et en même temps, tu es en train de faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, parce que tu fais un tikkun, metakan gavra. Je fais une réparation. Par contre, si on dit comme le Kesef Mishneh, on comprend pas trop, parce que, de rentrer la tête dans l'eau, il n'y a pas de problème. Il reste goy, il n'y a aucun tikkun là-dedans. Et donc, il a le droit de se rentrer, de se tremper dans l'eau. Ensuite, quand sa tête est déjà dans l'eau, ici, il y a peut-être une question de pikuach nefesh. Parce que tout le problème, en fait, c'est de sortir la tête de l'eau. C'est que quand il va sortir la tête de l'eau, qu'il va faire la melacha de metaken gavra. Et à ce moment-là, on ne peut pas lui dire ne sors pas la tête dans l'eau parce que tu es en train de faire un avera quand tu sors la tête de l'eau. Et donc, quel est le problème? Alors vous allez me dire, on n'a pas le droit de se rentrer dans une situation dans laquelle je serais en pikuach nefesh, parce que j'aurais pu, depuis le début, ne pas rentrer dans cette situation. Mais là, est-ce qu'on peut reprocher à un goy de ne pas rentrer dans une situation dans laquelle il sera obligé de faire un chilul Shabbat en tant que pikuach nefesh? C'est un peu difficile, la question elle est sympathique, je ne sais pas si c'est une question très forte, mais quand même, ça nous ramène encore une afkamina à ce propos-là, à savoir, est-ce que on est hors à partir du moment où on a rentré tout le corps dans l'eau, ou bien c'est que en sortant le corps de l'eau que à ce moment-là la tahara arrive.